Salut à tous, et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo rétro, troisième vidéo aujourd'hui, avec toujours des jeux de mon enfance, ou des jeux que j'ai envie de vous présenter, qui pas forcément mon enfance d'ailleurs, hein, mais bon, là pour le coup, c'est parti d'un de mes premiers jeux de bagnole. Peut-être même un de mon premier jeu de course, que j'ai pu avoir sur console, donc sur PlayStation à l'époque, Ridge Racer Evolution. Je n'ai aucune idée de comment on a pu, pourquoi on a eu Ridge Racer Revolution, pourquoi on l'a acheté, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, on l'avait, ça je le sais. Je pense que c'est certainement un des jeux qu'on devait avoir avec la console, qu'on a dû acheter avec. C'était dans le pack, il me semble. Ouais. Je sais pas pourquoi on aurait acheté Ridge Racer Revolution. Bien évidemment. Donc. C'est quoi Ridge Racer? C'est un jeu d'arcade, surtout. Un jeu d'arcade porté sur console. Donc c'est de l'arcade, donc c'est-à-dire que vous avez un seul tracé dans l'absolu. Jeu d'arcade ne veut pas dire que vous avez qu'un seul tracé, mais là pour le coup c'est un jeu d'arcade et il n'y a qu'un seul tracé. Ça reprend vraiment le jeu tel qu'il est. J'ai quand même une sympathie pour ce jeu, une grande sympathie. J'y ai joué, j'y ai beaucoup joué. J'avais des Ridge Racer, j'avais des Crash Team Racing, j'avais des Porsche Challenge, mais j'ai vraiment. Alors, c'était plus tard, hein, Crash Team Racing, mais voilà, j'ai vraiment soudé ces jeux-là, et Ridge Racer Evolution, ça fait partie des jeux que j'ai vraiment adoré. C'est parti des jeux où je jouais avec. Donc, il y avait Street Fighter, X plus Alpha, Tomb Raider 1, Ridge Racer Evolution et NBA Live. C'est parti des jeux que j'avais. NBA Live 98 et FIFA 98, c'est parti des jeux que j'avais quand j'ai. Voilà, les premiers jeux qu'on avait. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le menu? On a Other, donc les records, c'est les records de niveau des temps, bien évidemment, hein, c'est le but, c'est ça, hein, c'est de faire du meilleur score. BGM, donc c'est pour la. C'est l'OST du jeu. Dans Select, on choisit la carte, donc novice, intermédiaire ou expert. Moi j'aime bien ce petit tracé en 3D, c'est sympa, hein. Donc plus on augmente, plus la difficulté augmente et plus la course devient tendue, hein. Donc c'est le même tracé de base et ensuite c'est il y a certaines déviations sur le circuit de base simplement. La course, 3 tours, 12 participants, time trial 3 tours de voiture. Et le free run, c'est vous, et avec voilà, vous avez juste la possibilité de faire le meilleur score. Je faisais beaucoup de free run. J'aimais bien rouler comme ça. Enfin, je roulais beaucoup. Les voitures que l'on a vend, la Blue Solvalu, la Yellow Solvalu, la Ryukyu, la FR Racing, donc la voiture Namco. Qu'est-ce qu'on a? La Pink Mappy, la Blue Mappy, la Galaga RT Prides, la Galaga RT Carotte, la RT Bogosian, la Nebulous Red, putain la vache, c'est imprononçable. Exvius Red, Exvius Green. Alors, savoir que les voitures, déjà les voitures, moi je les trouve bien foutues, je les trouve bien modélisées, j'aime beaucoup les bagnoles de Ridge Racer Evolution, j'aime bien leur design, c'est de l'arcade, mais j'aime bien, j'aime beaucoup les bagnoles. Là vous avez vu, hein, en fin de compte, là, vous avez la rose et la bleue, mais en fin de compte, vous avez bien prise en main, donc faut être bon con. Alors, il y a une petite partie de Galaga avant de réaliser, je voulais pas montrer parce que j'ai pas capturé. Mais quand on la gagne, on débloque ces voitures là. Donc les Exvius, les Nebulis, c'est là et les Galaga. Sinon en fait ça s'arrête là il me semble. Hein. On a que ces trois voitures là. Ces quatre voitures là il me semble. Et après le reste il faut les débloquer avec la partie de Galaga. Donc on va prendre une bonne voiture. On va prendre une voiture équilibrée. Celle-là, tiens. Plutôt équilibrée. Elle on est meilleur accélération. Mais j'ai un moins bon grip. On va prendre celle-là. Et après, vous avez vu, voilà, hein, on a évidemment notre vitesse maximum. Donc là, on est à 107 miles par heure. C'est pas des kilomètres, hein, évidemment. Allez, on démarre. Pas tant de chargement, évidemment. C'est bien fait. C'est la technologie. C'est la PlayStation 1. Bienvenue en 96. 95 d'ailleurs, hein, il me semble. Non, la PlayStation c'était 96, la PlayStation. 95-96. Allez, donc on est parti. Alors, je maîtrisais ce jeu à l'époque, je le maîtrise beaucoup moins. En fait, Ridge Racer, tout est dans le dérapage. Voilà, tout est dans le dérapage et il faut savoir donc les faire correctement si on veut pouvoir apprécier en fait les virages.
C'est fluide, c'est très fluide. Et ça m'étonne toujours autant que ce soit toujours aussi fluide, c'est dingue. Voilà, et dégage toi. Les collisions, par contre, c'est pas ça du tout, hein. Évidemment. C'est pas la meilleure chose qui se passe. C'est pas la même chose qu'on est faite, hein. En même temps, j'ai envie de dire, jouer à Gran Turismo, ça, c'était à peu près pareil, hein. Mais voilà, le jeu est très très beau. Je trouve que. Pour comparer, est-ce que j'ai vu quelques vidéos sur la version arcade, c'est quand même beau. C'est beau. C'est beaucoup plus cher. Je trouve ça beaucoup plus beau qu'un Gran Turismo, par exemple, que le 1. Vraiment, il y a un bon portage dessus. Il y a vraiment un très très bon portage. Attention! Ouh là là, c'était chaud. Dérapage exceptionnel. Voilà. Les héros, hein, on a Pac-Man. On a toutes les icônes de Namco. Hein. On a un peu de pub, hein, pour les. Alors, c'était Air Combat avant. C'était Ace Combat. Air Combat, c'était. Oui, j'ai vu. On a lu Air Combat. Qui est devenu après Ace Combat. On a ça. Qu'est-ce que j'ai vu? On a du Tekken. On a Hiachi Mishima. Ah, ça, j'ai pas vu ce que c'était sur la gauche. Mais voilà, il y a beaucoup de pubs, Namco. Faut bien meubler ça à gauche. J'ai pas reconnu, je vois pas. C'est bon, c'est un peu. Là, c'est un peu pixelisé et c'est pas très droit. C'est pas bon sur la route. Et voilà, c'est beau, vous avez vu, hein. On est sur la plage maintenant, hein. Et ensuite, on va retourner dans le stade. Alors, c'est vrai que c'est pas vraiment. J'ai envie de dire, est-ce que. C'est. Oula, c'est bizarre ça que j'ai fait. Oui, on n'est pas dans le réalisme, évidemment. Hein. Mais voilà, j'ai vraiment kiffé. Vraiment, c'est voilà ce genre de jeu de bagnole. Et je retrouve moins aujourd'hui les sensations que j'ai pu avoir à l'époque quand je jouais à ces jeux de voiture-là, vraiment arcade. Alors, le jeu moi qui m'a fait, enfin, le dernier jeu de bagnole qui m'a fait vraiment ressentir, qui m'a fait vraiment ressentir ces sensations-là que j'avais pu avoir quand je jouais au Ridge Racer ou quand je jouais au Porsche Challenge, à ces jeux un peu d'arcade sur PlayStation. Le dernier jeu qui m'a fait ressentir ça, alors c'est pas un jeu qui a bonne réputation, mais c'est un jeu que moi que j'ai adoré. C'est Drive Club sur PS4. J'ai vraiment adoré Drive Club, peut-être un des seuls rares personnes au monde qui a vraiment surkiffé Drive Club dans sa partie jeu de bagnole, pas dans sa partie jeu de moto, parce que c'était pas ouf. Mais voilà, moi c'est ce genre de jeu de bagnole aussi que j'aime bien. J'aime beaucoup les jeux de simulation, mais j'aime bien aussi les jeux qui se prennent un peu moins la tête. Bon, c'était pas le postulat de départ de Drive Club, je sais, mais en fin de compte, c'était ce qu'il était. Et voilà, moi j'aimais beaucoup ça, et j'aime toujours ces jeux de bagnole un peu arcade. On finira deuxième, visiblement, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on se referait pas une course en. Est-ce qu'on gagnerait pas la course? Enfin, j'ai du mal à la gagner, je finis deuxième déjà, bon c'était pas terrible. On va essayer de se faire la course en mode intermédiaire. On n'a pas gagné le mode facile, mais on va quand même se faire le mode intermédiaire. Mais vous avez vu, on a fait un très mauvais deuxième tour. On a fait un très très mauvais deuxième tour. Voilà, game over, c'est de l'arcade, jeu terminé. Merci, au revoir. Et vous retournez sur le menu principal, évidemment. Allez, on va faire le mode normal. J'ai pas grand chose à dire en fait sur ce genre de jeu. Y a pas grand chose à dire. Je peux pas vous faire une présentation ou un test de Ridge Racer Revolution. Ça serait totalement stupide. Ça n'aurait pas de sens. Alors, vous avez vu intermédiaire. Là, on sait où on est là. Alors, on va voir avec ces bagnoles si on peut gagner. Donc, toujours pareil, hein. 3 tours. 12 participants. Donc, on a 11 bagnoles à doubler. J'ai jamais capté si les bagnoles se doublaient entre elles. Non. En tout cas, voilà. Les premières, c'est toujours un peu plus facile de doubler. Parce qu'elles sont toutes devant vous. Et après, il faut essayer d'enchaîner les. Enfin. Oh putain. Oh le dérapage. Oh, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah oui, c'est pour ça que je voulais vous montrer le mode intermédiaire aussi. C'est parce que. Il y a. Ah, il est là, notre beau Hiachi Mishima. Tekken, c'est pour ça que je vais vous montrer un petit Tekken. Moi, Tekken sur PlayStation, ce qui m'a plutôt marqué, c'est Tekken 3. Moi, j'ai fait surtout Tekken 3, Tekken 4 sur PlayStation 2. Et le dernier Tekken, sinon, c'est pas les jeux que j'ai vraiment soudé. Tekken, j'ai jamais été très fan des jeux de combat comme ça en 3D. Enfin, j'allais dire des jeux de combat un peu plus réalistes. Je peux appeler ça comme ça, mais vous m'avez compris quoi.
y a une grosse différence entre les Street Fighter, les Rival School et les Tekken et les Soul Calibur. Hein. Les jeux de combat en 3D, c'est pas mon délire. J'aime bien y jouer. De temps en temps, jouer un petit Tekken ou quoi. À la limite, les seuls que j'ai peut-être pu apprécier, c'est Mortal Kombat. Mais Mortal Kombat, il y a un petit côté un peu fun. Voilà, le côté un peu dégueulasse. J'aime bien, je suis un garçon dégueulasse. Donc, voilà. Ce genre de citation là, mais non, ça me sera ressorti. Évidemment. On va se remettre un peu avec la bagnole, il faut bien qu'on la voie. Alors, moi je trouve le jeu injouable comme ça, en mode. Avec la caméra derrière, j'ai vraiment énormément de mal à y jouer. Mais c'est vrai que c'est pas très lisible pour vous. Putain, la bagnole, c'est vraiment, j'arrive pas. Je n'ai jamais réussi à jouer à ce jeu avec la caméra de derrière. Impossible. Impossible pour moi. Donc là, vous avez vu, il fait nuit. Et oui, il y a un cycle jour-nuit dans le jeu. Les jeux sur PS2, PS3 n'ont rien inventé. Il y avait un cycle jour-nuit déjà dans les années 80 sur Ridge Racer. Et c'est bien fait. Hein. Moi, j'aime beaucoup la nuit. Hein. La nuit bleue, hein, par contre. Hein. Le ciel est bleu. Il n'est pas noir, il est bleu. J'ai rarement vu un ciel bleu comme ça. Hein. Bleu foncé la nuit. Hein. Mais voilà, ça c'est. C'est pour ça que j'aimais ce genre de jeu. C'est pour ça que quand j'étais gosse, ce genre de jeu, j'aimais bien parce que c'était fun. C'était fun et je pense que c'est sûr que si tu me ressors Ridge Racer Evolution aujourd'hui avec un circuit et ces trois variantes, effectivement, je pense que je tirerai un peu la tronche. Et peut-être parce qu'à l'époque, moi déjà j'étais plus petit donc je m'en foutais très clairement. Et ça, je pense que c'est parce que quand on est gosse, on s'en fout un peu, hein, sur de considérations, on les prend pas en compte. Des gosses, moi, jouer à des jeux et refaire 15-50 fois le début du même jeu, on s'en fout, tant qu'on joue, en fait, on est content. C'est pas le principe. Effectivement, oui, tu m'en sors ça aujourd'hui. Oui, effectivement, je recommencerai pas 50 fois le même jeu. À part si c'est Tomb Raider, je vais le faire en let's play, évidemment, mais sinon, non, je ferai pas ça. Je ferai pas ce genre de choses là. Hop là, allez, on va quand même essayer de pas finir. Bon, je finirai pas dernier, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est sûr, je gagnerai pas la course. Hein. Je vous montrerai quand même le mode expert. Sinon, c'est les trois variantes. Alors après, on a les mêmes circuits en mode miroir, il me semble, ou en mode pas en mode miroir, mais en mode inversé. C'est en mode inversé, c'est pas en mode miroir. Voilà. Et après, il me semble qu'on a les mêmes circuits, mais en fait, il faut affronter une autre bagnole un peu plus puissante, deux voitures beaucoup plus puissantes. Voilà, il y a quelques petits modes en plus, quelques petits modes de difficulté en plus, mais sinon, c'est les. Voilà. Il n'y a pas d'ajout de circuit. Hein. Il n'y a pas d'ajout de circuit. Et voilà, il y a plein de petits trucs, vous avez vu, voilà, il y a l'avion qui passe à côté, c'est quoi de bon con ce que je dis, c'est nul. Il y a rien à dire sur ça, il y a absolument rien à dire, mais c'est voilà, c'est genre de petits machins qui me faisaient marrer quand j'étais gosse, et voilà, c'est pour ça que j'aimais bien ce genre de jeu-là. Cette voiture est complètement injouable, je trouve, elle est peut-être un peu plus rapide, mais je la trouve vraiment pas maniable du tout, surtout pour ce circuit-là. Et je sais pas pourquoi je pars en dérapage alors que je ne souhaite pas partir en dérapage, alors que je n'appuie pas sur la touche pour déraper. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi je dérape? Je sais pas pourquoi je dérape. Et je fais ça de plus en plus. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Allez, on va vous montrer le mode expert. Hein. On a ni réussi mode facile, ni mode expert. Mais je vais quand même vous montrer. Enfin, ni le mode facile, ni le mode intermédiaire. Mais je vais quand même vous montrer le mode expert. Évidemment. Hein, pas. On n'a pas réussi les deux premières courses, on va réussir ça là, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer comme bagnole? Tiens, j'avais pris laquelle? J'avais pris celle-là, moi. On va prendre celle-là, tiens. Peut-être une meilleure prise en main pour cette bagnole. Je ne sais pas. On va voir. J'ai un grand doute hein, sur le fait de réussir le mode expert. Allez, on est parti pour la dernière course. Le but... Déjà, le but, c'est de pas... C'est de pas perdre, parce que vous avez vu, en haut à gauche on a un timer. Disons que si vous n'avez plus de temps à la fin du timer, c'est game over aussi. Hein. Donc il faut bien évidemment
aller le plus vite possible hein, et arriver. Enfin, voilà, de ne pas trop traîner non plus. Hein. Déjà, finir le circuit, c'est déjà bien. C'est déjà un bon exploit que je peux vous montrer. Hein. Parce que parce que c'est très compliqué pour moi de. Déjà de. De finir premier, alors on va quand même déjà essayer de finir la course. Un truc que j'aimais beaucoup par contre Ridge Race Revolution, c'est la bande son. J'adorais la bande son de. J'adorais les musiques. Et c'est ce genre de jeu qui m'a fait découvrir qu'effectivement, c'était aussi des CD audio hein, qu'on pouvait mettre. Des CD. Alors c'était pas recommandé apparemment. Mais on pouvait mettre. Enfin, j'ai jamais compris pourquoi c'était pas recommandé. Sauf que c'était... Enfin, ça faisait pas plus que. Ça faisait pas grand chose. On pouvait mettre donc ces CD dans des chinifi à l'époque, ou dans des postes radio, et on pouvait écouter la bande son. On pouvait compter la bande son. Alors bien évidemment, je vous déconseille toujours, je vous déconseille fortement de mettre la première piste sur un CD PlayStation, parce qu'en fait la première piste en fait c'est du bruit, c'est juste du bruit. Alors j'ai jamais trop compris ce que c'était comme bruit, apparemment c'était des données ou enfin voilà c'était des données qu'il y avait toujours sur la première piste, donc du coup c'était un peu bah c'était voilà c'était ce bruit c'est du vacarme quoi hein, donc c'était dégueulasse donc voilà, donc ne mettez jamais la première piste si vous voulez lire vos jeux PS1 mais on pouvait aussi lire directement sur la PS1 si on lançait d'abord la console sans CD. Donc on atterrissait donc sur le navigateur de la PS1, donc le gestion de carte mémoire. Et on pouvait aussi à cet endroit-là lire nos CD audio. Ça aussi c'est un truc que j'avais découvert. Moi je savais pas ça quand j'étais petit qu'on pouvait lire les CD audio sur la PlayStation. C'était un lecteur de. C'était aussi un lecteur de CD. Vous mettiez votre CD sur la PlayStation, vous pouvez la lire et avec la. Je sais pas moi, vous branchiez des baffles sur votre télévision, et si vous faisiez une bonne chinifi, c'était ça aussi le délire. Et on avait, ça c'est un truc aussi qui m'a fait marrer, c'est que sur la PlayStation 1, on avait... comment on appelle ça? Quand vous avez sur ce vous aviez les espèces d'effets de... Avec le son... putain, là-bas, je n'ai pas réussi, je suis vraiment très mauvais. Mais jouer à Ridge Racer et commenter en même temps, c'est très compliqué. Essayez, vous allez voir, vous n'avez pas réussi. Ou alors vous êtes bon au jeu. Qui est possible. Et moi, je suis pas bon au jeu, donc je peux pas commenter et jouer en même temps. Mais voilà, il y avait ce petit machin-là que j'avais découvert assez tard, je m'en souviens. Je l'avais pas découvert avec la PlayStation, je l'avais découvert avec la PS1. Parce que des PlayStation en tout, j'en ai eu 3. J'ai eu la PlayStation, la FAT, donc la vraie PlayStation, enfin, bon, la vraie PlayStation qu'on avait eu en. Alors j'avais, c'est bien ça, mais j'avais 3 ans, donc on l'a eu en 97. J'avais 3 ans en 97, donc on l'a eu donc cette année-là. Et ça n'aurait fini pas. Pour moi, c'est comme si c'était hier, c'est ouf. Mais c'était pas hier du tout, c'était très longtemps. Oui, on l'a eu il y a 23 ans la PlayStation. Ah, je vais pas réussir. Bon, ben là, voilà. Là, ça va être un game over d'office. Et oui, ben non. Time up. Voilà. Le temps est terminé. On n'aura pas eu tout réussir à faire ce mode expert. Non, c'est dur. Hein. C'est vraiment dur. Hein. Là, là, le mode expert, en plus d'être compliqué. Le temps il est vraiment short, donc il faut vraiment y aller et envoyer du pâté. Allez, on va quand même gagner une course, on va quand même en gagner une. Quelle bagnole on peut utiliser? Elle est pas mal celle-là. Accélération, maximum speed. Allez, on va prendre la jaune. Allez. Dernier défi, on gagne la course en mode novice. Oui, mon histoire avec les PlayStation, ça, j'en ai pas trop parlé, mais ces vidéos rétro sont faites là aussi pour ça. J'aime bien vous raconter au fur et à mesure des jeux rétro mon expérience de gamer, et c'est plus sympa de raconter ça comme ça que dans une vidéo FAQ ou quoi que ce soit. Enfin, pour moi en tout cas. Putain, je suis en train de déraper depuis l'heure, je ne veux pas déraper. Donc voilà, il faut regarder ces vidéos à la suite. Hein. Cool Border, Grind Session, Ridge Racer Revolution. La quatrième vidéo déjà,
Je sais déjà de quel jeu je vais vous parler. J'ai appelé ça un rétro, mais en fin de compte, je me rends compte qu'il y a peut-être des jeux un peu plus récents. Mais c'est pas grave. J'ai donné un nom qui n'avait pas de sens dans la playlist. On va rester sur le nom de cette série de vidéos. Ça sera pas mal. Great Wars, oui. Oui, donc voilà, donc j'ai eu 3 PlayStation, donc la grosse PS1 qui est décédée, assez rapidement d'ailleurs, elle n'était plus décédée. Ensuite on a acheté une PS1, qui au bout d'un moment, elle non plus ne visait plus décédée. D'ailleurs, pour l'année dernière, je me souviens pertinemment, du jour où elle a pu les CD, c'était un ou deux jours avant la rentrée des classes, donc en septembre. En août, je jouais à Tomb Raider 4. J'ai arrêté d'y jouer, j'ai voulu y rejouer après et elle disait plus. Elle disait plus. On a essayé de trouver des solutions, ça disait plus. C'est-à-dire que pendant 4 mois, en fin de compte, on n'avait plus de console. Et pendant 4 mois, on a plus de PlayStation. Et après, on a eu une nouvelle encore de PS2, de PlayStation. La PS2 n'était pas encore sortie, hein. À ce moment-là, mais. D'ailleurs, mes parents voulaient prendre la PlayStation 2 le jour de la sortie en 2000. En fin de compte, ils l'ont acheté qu'en 2003 parce que. Bah, en fin de compte, ils ont rendu compte qu'il n'y avait pas de jeu. Ils ont eu l'œil. Ils ont eu l'œil. Il n'y avait pas de jeu. Bonjour à Fantavision, non merci. Donc, j'ai eu la PS2 avec les sables mutants. Les sables mutants, donc en 2003. Noël 2003. Et oui, donc en fin de compte. Ces 3 PlayStation ont crevé. Du même problème. Alors. Les deux premières, oui, j'ai eu ce problème-là de lecteur CD. Et ensuite, quand on a eu la deuxième, on a réussi à la faire repartir, c'est-à-dire qu'on avait eu 2 PlayStation qui tournaient en même temps sur 2 télévisions différentes avec mes frères, donc voilà. Le luxe d'avoir 2 consoles chez soi. Mais en fin de compte, je me rends compte qu'on a eu par la suite un problème d'alimentation. Sur les deux PS1, donc ça je pense que c'est des problèmes qui doivent être assez récurrents. Donc un problème d'alimentation, ce qui faisait que il fallait tortiller le câble d'alimentation derrière pour pouvoir l'allumer. Et ça, une nouvelle fois, je pense que ça doit être des problèmes qui devaient arriver assez régulièrement sur les PS1. J'étais très soigneux de mes consoles, j'étais très soigneux de mes jeux. Je le suis toujours, depuis que je suis petit, je suis très soigneux de mes jeux vidéo. Donc je n'ai jamais martyrisé mes consoles, pour ça je les ai fait tomber ou quoi que ce soit. Donc voilà, on va dire qu'effectivement. Putain, mais le premier il est inaccessible, le premier. C'est ouf. Il est où le premier? Il est pas là, je le vois pas. C'est dingue. Je vois pas le premier du tout. Ah, il est là-bas, il est au fond. Ouais, il est imbaisable. C'est dingue. Il est imbaisable, on peut pas le choper. Et donc voilà, je sais pas pourquoi je vous parlais de ça, mais. J'ai pris toujours principe de mes jeux, bon, en fin de compte, non. Parce que le seul jeu que j'ai cassé de ma vie, c'est le CD de Ridge Racer. Je me suis assis dessus, je l'ai cassé en deux. Donc, donc voilà, j'ai pas fait exprès, je sais pas pourquoi je l'avais posé, et j'étais en train de le ranger, et je me suis assis dessus, et ça a craqué en deux. Voilà mon histoire avec Ridge Racer, donc j'ai redécouvert beaucoup plus tard avec l'émulation, parce que j'ai dû le casser il y a une vingtaine d'années. J'ai eu la PS2, c'était en 2003, donc j'ai dû le casser en 2001. En 2002, avant 2002, j'ai des souvenirs qui me font dire qu'effectivement c'était avant 2002, donc après j'ai rejoué l'émulation en 2007, en 2008, donc en fin de compte j'ai rejoué le jeu en 2008, donc 7 ans après, 5 ans, 6 ans après, voilà, je suis pas sûr de l'année, mais c'est à peu près ce moment-là. Et voilà mon histoire avec ce jeu, hein, qui a fini par se briser en deux, voilà. Et c'est d'ailleurs le seul Ridge Racer que j'ai pu faire véritablement. Le type 4, j'ai joué sur émulation un peu plus tard. J'étais au collège, donc c'était vraiment pour la découverte. Mais après les autres, j'y ai pas vraiment joué. J'ai un peu joué à la démo sur le dernier qui était apparu sur 360 PS3. Là, j'y ai joué. Je suis pas sûr que ça soit sorti sur PS3, je sais plus. Et puis la série est morte, hein. Très clairement, pour l'instant, il n'y a pas eu de Ridge Racer. Hein. Un Ridge Racer sur PS5, ça pourrait être sympa.
je sais pas, peut-être au moment où j'envoie, c'est peut-être au moment où j'enverrai pas sa vidéo dans 8 mois. Par rapport au moment où je parle, je l'enverrai peut-être dans 2 semaines. Mais oui, pourquoi pas un Ridge Racer sur PS5. Pourquoi pas. Ça manque. C'est une série qui manque. Un bon jeu de course d'arcade comme ça, ça manque vraiment. Et ça serait vraiment cool d'en avoir. Mais bien voilà, pour cette troisième vidéo rétro. Il y avait un peu moins de choses à dire, il n'y a pas grand chose à dire sur Ridge Racer. Hein. J'ai pas vraiment connu les versions arcade à l'époque, donc j'étais trop petit, j'étais un pané, donc évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà pour pas les avoir connus, et en plus, j'ai pas spécialement. J'ai vu des vidéos, donc je pourrais pas vraiment vous donner de comparaison, hein, évidemment. Et bien voilà, on se quitte là. On se quitte là sur ce jeu. Vous avez vu, oui, écrit One Player Game. On peut jouer à deux joueurs, seulement il faut deux télé, deux consoles, le câble qui relie les deux consoles, deux manettes. Genre en LAN, quoi. C'est... Je pense que pas grand monde au monde a dû jouer aux deux joueurs de Ridge Racer Evolution. Comme aux deux joueurs de Formula One 96. J'avais Formula 96 en. On avait pris des jeux là, on avait prêté à mes frères, mais. Ce jeu-là aussi, pareil, c'est le même délire. Il y a pas mal de jeux comme ça où il fallait jouer en ligne avec deux consoles. Et je pense pas que grand monde ait joué à ce genre de machin. Je suis pas sûr. Bref, j'espère vraiment que vous aimez cette vidéo. Hein. Si vous avez un petit commentaire à faire, eh bien mettez-les. Hein. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, tout simplement, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.